Chouin, chouin, chouin. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les chouin, chouin, chouin. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les chouin, chouin. Salut tout le monde, c'est Rantiz, j'espère que vous êtes tous très bien et pour part, ça nickel. Donc les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau tuto. Et dans ce tuto, je vais tout simplement vous montrer comment avoir Minecraft Pocket Edition gratuitement sur Android. Donc, avant de commencer la vidéo, tout simplement, je voulais m'excuser du retard de vidéo parce que tout simplement, avec les cours, j'ai pas trop le temps de vous faire des vidéos, tout simplement. Donc, là, la dernière vidéo date il y a quelques jours, donc peut-être une semaine à peu près, 2-3 jours près. Donc aujourd'hui, je vous fais un tuto pour avoir Minecraft Pocket Edition gratuitement. Donc cette technique marche pour pas mal de jeux payants. Et c'est parti. Donc pour commencer, vous allez vous rendre sur Internet. Et on va ouvrir un nouvel onglet. Voilà. Et on va taper Aptoid. Donc Aptoide. Vous faites OK et vous allez sur le premier lien qui s'appelle fr.aptoid.com. Donc là vous attendez que ça charge et ça va vous mettre cette page là et vous faites installer Aptoid qui est ici là, vous cliquez dessus et là vous allez tout simplement voir qui se télécharge. Donc en attendant qu'il se télécharge, je vais faire une pause, on se retrouve juste après. A tout de suite. Et donc là vous pouvez voir que Aptoid est téléchargé. Donc simplement vous allez cliquer dessus et ça va vous faire vous afficher une page où en haut c'est marqué Aptoid, puis à gauche le logo Aptoid justement. Donc vous allez tout simplement cliquer sur suivant, donc en bas à droite vous faites suivant, suivant, installer. Donc là, l'application va s'installer. Donc on va attendre parce que ça va mettre plus ou moins de temps, ça dépend de votre téléphone. Donc une fois Aptoid est installé, vous allez tout simplement faire ouvrir. Donc là, ça bug. Donc ça va s'ouvrir normalement, voilà. Donc là, ça va vous expliquer des trucs pour s'inscrire et tout. Donc on va pas s'inscrire, on fait passer et là vous allez cliquer sur la petite loupe en haut à droite et on va marquer Minecraft, puis après on peut juste marquer Minecraft, normalement il va le trouver. Normalement c'est celui-là. Donc pour savoir, vous êtes simplement l'installer. Donc il va encore mettre du temps à s'installer, c'est tout à fait normal. Donc on se retrouve juste après. Et à tout de suite. Et donc une fois que ça s'est téléchargé, ça va vous ouvrir tout simplement une page comme ça, comme au début où c'était marqué Aptoid, maintenant c'est marqué Minecraft. Donc vous allez faire pareil, suivant, installer. Donc là on va attendre que ça s'installe. Donc une fois que Minecraft est installé, vous allez tout simplement faire effectuer. Ensuite, vous allez aller dans le menu de votre téléphone et vous allez vous rendre sur le Play Store. Donc une fois dans Google Play, vous allez tout simplement aller dans la barre de recherche et vous allez marquer Minecraft. Voilà. Et voilà. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez voir qu'il est tout simplement affiché avec le prix, mais tout simplement ouvrir ou désinstaller. Et normalement si vous le désinstallez, donc on va le désinstaller pour le tuto, vous le désinstallez, vous retournez sur le Play Store et vous allez voir que c'est plus marqué acheté à 6,99€ je crois, ou 5,99€, mais c'est marqué installé. Donc en gros il est considéré comme acheté. Et pour vous montrer que ça marche bien, je vais tout simplement le réinstaller par le Play Store et l'ouvrir. Donc on se retrouve après, à tout de suite. Donc là
Une fois qu'il est installé, on va tout simplement l'ouvrir pour pouvoir tester s'il marche. Donc c'est parti. Donc une fois qu'il est lancé, on peut voir que bah qu'il demande de créer un compte, mais ça on s'en fout. Maintenant vous pouvez y jouer. Et bah on va créer un nouveau monde. Hop là, on va mettre en créatif. Voilà, et on va le créer. Simplement pour pouvoir tester s'il marche. Donc logiquement, il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas. Et donc voilà, donc vous pouvez voir que bah on a bien Minecraft, il marche bien. Et que bon, on peut vraiment tout faire. On peut même avoir tout simplement les armes, les objets, tout ce qui est bloc. Après, on peut rechercher. Enfin, tout ce qui est bloc de construction, voilà. Les trucs de redstone. On a absolument tout. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Et à partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Peace. Voilà. Ça craint ces temps-ci, piste bien ton rétro. Ils font les bâtards, ouais, je les analyse trop. Ça me dit que j'en mets trop, que je deviens parano. Elle fait sa folle, elle aime les quatre anneaux. Ah, allô, il m'appelle des cellules. Il m'a dit à la SS, j'ai entendu la série.